veux pas de visite. Je veux qu'on me traite de sauvage et que ça se dise dans le voisinage. Je veux qu'on m'évite, que les enfants demandent à leur mère: est-ce que c'est vrai que c'est une sorcière? Parce que la visite, c'est comme les fourmis, ça rentre et puis ça se multiplie, ça vient tout le temps comme un cauchemar, ça pense qu'on est content de les voir, ça coupe les fils en plein milieu, ça prend des mots le plus moelleux, ça nous condamne à la chaise droite, ça prend racine, ça mange comme quatre. Il y a des chansons du premier album qui ont été réenregistrées et réarrangées avec la nouvelle formule, des chansons du second et 4 nouvelles qui seront sur le troisième album. On voulait que tout soit homogénéisé et puis redécouvrir des chansons du premier album avec la nouvelle équipe. Elle date de quand, la nouvelle équipe? Comment s'est faite la rencontre? La rencontre, elle s'est faite par le violoncelliste au départ qui était là pour un remplacement et avec qui j'ai adoré travailler. Et qui m'a dit: tes chansons, elles appellent une clarinette, elles appellent pourquoi pas des percussions et tout ça, donc essayons. Moi, je connais des gens qui aimeront certainement et qui répondront certainement à ça. Donner la vie à un enfant, on le crie lourd comme on est fier, mais on donne la mort en même temps, tu peux pas savoir ma colère. T'es une chanteuse de la famille, toi, d'une certaine manière. Il y a tout le monde qui y passe. Les petits, la grand-mère, les... Oui, de la famille, mais je pense de toutes les familles, en fait. On retrouve, à force d'observer les familles des autres, on retrouve des choses communes. Ou alors on remarque chez sa propre famille des choses assez extraordinaires, comme ma mémé, par exemple. Les mamies, elles apprécient qu'on leur trouve un petit surnom, si possible un surnom joli et tout plein d'imagination. Ah, bébé se prénomme Génie, mais elle trouve ça Yvon. T'as commencé à travailler, je suppose, sur un prochain album? Ouais, on a déjà des nouvelles chansons, on aimerait l'enregistrer cet été. Avec toute cette équipe? Avec la même équipe, ouais. Et pourquoi pas se permettre pour l'album d'inviter des cuivres, j'aimerais bien un trombone, voilà. Mais pas pour la scène, mais pour... on voudrait s'amuser et le dorloter, ce troisième album. Prendre le temps, pas faire comme les deux premiers où c'était... On les a fait plus dans l'urgence. La moche qui garde les sacs des copines en soirée. Je tiens les cheveux d'Annabelle au-dessus de la cuvette des chiottes. Si tu voulais convaincre les gens de venir voir ce spectacle, qui joue jusqu'à quand encore, alors tu dis? Tous les lundis jusqu'au 4 avril. Eh ben, je leur dirais que c'est à découvrir. Je sais pas, qu'il faut être curieux. Il ne faut pas faire son parisien qui se dit de toute façon il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Et puis si tout le monde se dit ça, le 4 avril, on devra refuser du monde. Et donc il ne faut pas attendre la dernière date. Et voilà. J'ai pris un petit crayon, j'ai pris un petit cahier, j'ai pris ma petite guitare et j'ai fait un petit texte pour faire une petite chanson. Faire un petit tube. Et c'est aussi une chanson d'amour, tu vas voir, Patrice. C'est comment faire. Ah, t'as pris ton petit instrument.